Notif sur Facebook, notif sur Twitter, sur Snapchat puis sur Instagram. Je me suis dit, c'est qui ce gars? Pourquoi il me fait chier comme ça? J'ai regardé son profil, il est plutôt pas mal. Un mec macho, un mec soigné, et ça me plaît. Il me dit qu'il sort d'une relation, qu'il ne cherche rien de sérieux. Veut pas tomber amoureux, que je lui plais au sérieux. Ça tombe à pic, moi aussi. Je ne veux rien de sérieux, ni avoir un amoureux, juste une règle sérieuse. Tu ne t'attaches pas à moi, si t'es pas fait pour ça, mon gars, sort de là. Tu ne t'attaches pas à moi, si t'es pas fait pour ça, mon gars, oublie-moi. Il fait très très chaud, les fous en promo. On passe en caisse, puis après on flex. Il me dit qu'il a très envie de sexe. Le coquin. De deviner quoi, on a croisé son ex. Au bras de notre, il est fâché et ça le blesse. Il se confesse et dit quelle est sa faiblesse. Il se confesse, mais sans qu'il kiffe encore ses fesses. Tu crois? Mais je m'en fous de tout ça. Tu me déranges pour ça. Mon gars, ressaisis-toi. Si tu veux l'oublier, compte pas sur moi. Mon gars, sort de là. Si tu veux l'oublier, compte pas sur moi. Mon gars, oublie-moi. Quelques mois plus tard, tranquille dans un bar, me parle de mec de mon Instagram. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi me faire chier avec ça? Et là il me sent quoi? Qu'il devient fou de moi, qu'il est jaloux, qu'il est piqué, et ça me déplaît. Il me dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais que je le rends très nerveux, qu'il est tombé amoureux et il devient silencieux. Là je réplique, y'a un souci. Tu dis ne pas être, je vois que tu ne fais pas mieux. Mon gars, oublie-moi, adieu. Tu ne t'attaches pas à moi, si t'es pas fait pour ça, mon gars, sort de là. Tu ne t'attaches pas à moi, si t'es pas